Salut à tous ces petits loups, c'est Méthode, j'espère que ça va. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter le numéro 10 de la collection du Robocop de chez Ataya. Donc c'est bien le numéro 10. Mais avant toute chose, si mes vidéos vous plaisent, pensez à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, laissez un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Et aussi, allez voir les deux groupes Facebook si vous n'êtes pas déjà abonné. Ces deux groupes sont super, vous pourrez parler de beaucoup de choses par rapport au Robocop, que ce soit la collection Ataya, que ce soit par rapport au film. Vos questions, tout ça, on vous accueillera les bras ouverts. Donc les deux groupes sont construisez votre Robocop un tiers Ataya francophone et l'autre groupe Robocop francophone. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant, ça va être parti pour la construction du fameux numéro 10. Go! Donc c'est parti pour la découverte de ce fascicule numéro 10. Donc nous avons en premier reportage les lieux où s'est déroulé le film de Robocop. Donc à savoir, c'est que le film s'est déroulé principalement, enfin une grosse partie, dans la ville de Dallas, au Texas. Et pour dire à quel point le tournage fut éprouvant pour Peter Weller, à cause du fait qu'il devait être dans l'armure du Robocop, c'est qu'ils ont installé dans l'armure un appareil d'air conditionné pour lui faciliter un petit peu le tournage, car c'était vraiment très éprouvant. Donc en fin de compte, le siège de l'OCP était en fin de compte l'hôtel de ville situé au Texas, enfin à Dallas. Et la scène où Robocop détruit le DD-109 se trouve en fin de compte à l'entrée de ce fameux bâtiment. Donc après, vous avez la suite des lieux de tournage du film. C'est quand même un article quand même assez poussé dans les détails. Bon, ça ne vaudra jamais des bouquins, enfin des livres consacrés au Robocop, mais c'est vrai que pour un petit fascicule comme ça, il y a quand même vraiment de beaux petits des informations quand même assez intéressantes. Donc après, vous avez l'inventaire des pièces, le schéma de montage, voilà la petite partie qui a monté. Donc la vue de toutes les pièces de ce bras qui seront à monter. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà voir le fameux pic dans le poignet de Robocop. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y aura quand même le pic, ce que nous savions déjà, mais c'est quand même intéressant de voir ce que ça va donner avec ce pic sur la main de Robocop. Et après, les fameux reportages sur les automates, tout ça. Voilà, comme vous savez, des choses qui pour moi ne m'intéressent pas trop. Et ils vous font aussi un petit reportage sur le film R, que je connais pas du tout. Donc voilà pour ce fascicule numéro 10. Donc maintenant, nous allons passer à l'inventaire des pièces. C'est parti! Donc pour l'inventaire des pièces, donc comme vous voyez, ça va être un numéro très rapide à monter. Donc nous avons pièce 10A, le support supérieur de l'articulation du poignet. Donc voilà. Donc toutes les pièces qui sont dans ce numéro-là sont en plastique. Donc vous avez en pièce 10A le support supérieur de l'articulation du poignet. Voilà, donc toutes les pièces qui sont dans ce numéro sont en plastique. Vous avez en 10B l'articulation du poignet, voilà, comme ça. En 10C, vous avez le support de l'articulation du poignet, voilà. Donc comme je vous rappelle, que des pièces en plastique dans ce numéro, voilà. Après, vous avez en
10D et 10E, le bloc de friction articulaire A et le bloc de friction articulaire B. Donc on verra dans le montage, il faudra surtout faire attention à bien différencier les deux. Donc le 10A est un peu plus gros, enfin le 10D est un peu plus gros que le 10E, voilà, comme vous pouvez voir, la petite différence de taille. Et enfin, vous avez la visserie BP et CP. Donc maintenant, c'est parti pour le montage. Donc nous voici partis pour le montage de ce numéro 10. Donc vous devrez déjà avoir sous la main la partie inférieure du bras droit qui a été montée dans le numéro précédent. Voilà. Donc on va commencer par ce montage qui va être très rapide. Donc vous prenez déjà la pièce 10A. Donc la pièce 10A, vous avez deux sens. Vous avez ce côté-là et ce côté-là. Donc vous prenez bien la pièce comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, vous prenez la pièce 10B. Donc la pièce 10B, c'est celle-là. Il y a un côté petit par rapport à l'autre où c'est une grosse boule. Donc vous prenez bien le côté le plus petit que vous centrez comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez la pièce 10E. Donc on est bien d'accord. La pièce 10E. Vous avez la pièce 10E qui est là et la pièce 10D qui est là. Donc vous voyez la différence de taille entre les deux. Donc vous prenez la pièce 10E qui est la plus petite par rapport aux deux. Voilà. Donc la pièce 10E, vous la mettez en équilibre. Voilà, comme ça. Après, vous prenez la pièce 10D que vous mettez par-dessus. Comme ça, et ensuite vous prenez la pièce 10C. Donc la pièce 10C, c'est celle-là. Donc il faudra la mettre de façon à ce que il soit en parfaite symétrie avec les trois trous qui sont là. De toute façon, c'est bien simple, vous ne pourrez pas vous tromper car vous allez mettre la pièce par-dessus comme ça. Voilà, et ensuite il faudra mettre des vis CP. Et ensuite, vous prenez l'assemblage du numéro 9 et la pièce que nous venons de monter, et vous n'avez plus qu'à assembler les deux comme ça. Alors vous avez bien dans cette partie là une partie avec un côté qui est plat, donc vous devez le faire coïncider avec la partie qui est plate là, et après vous mettez trois vis BP à ce niveau là. Hop hop. Et voilà le travail. Donc regardez-moi ça, c'est quand même un super beau travail. Franchement, je suis très content, c'est magnifique. C'est quand même impressionnant le résultat que ça donne. Donc maintenant, c'est parti pour la conclusion. Go! Et voilà, c'est la fin de ce numéro 10. Que dire de ce résultat? Honnêtement, il y a... Que dire? Il n'y a pas photo quand même. Non, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est quand même du très bon travail. Donc pour ceux et celles qui ont l'habitude de critiquer les constructions de figurines à monter soi-même, qui disent que c'est de la merde, que c'est de la mauvaise camelote, que ça tiendra pas. Pour l'instant, sur ce que je vois par rapport à cette figurine du Robocop, c'est quand même de la très bonne qualité. Mais on verra quand même par la suite comment ça se passe.
Mais bon, même s'il y a des retards dans les colis, que ce soit là cette collection de Robocop, la collection de l'Iron Man ou la collection du Megazord qui a commencé il y a peu de temps, ben, en attendant, des fois ça vaut le coup de patienter pour recevoir un colis pour avoir ce résultat là. Non, vous croyez pas? Donc voilà, donc c'était tout pour ce numéro 10. J'espère que ça vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir les autres vidéos. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine, pour la vidéo numéro 11. Ciao les petits loups.